Good morgen, allez, Idan les Suisses, aujourd'hui le Nishmat Machlouf Micha ben Masouda Nachman Yosef ben Nachum Avram Chayin Orbe ben Fortuné Mazal Noven Yehudit et Nissan ben Mafret. Si vous souhaitez, vous c'est déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez la Sagunité éternelle. Nous étudions Maseret Tamid, Perek Vav, Mishnah Gimel, Mish Zacha Baktoret, Ayanotel et Abazach, Mito Hakaf, Venotno le Ohavo Olikovo, Nitpazer Mimenu le Toho, Notno lo Bechofnav. מלמדים אותו, הווה זהיר שמה תתחיל לפניך שלא תיקווה. התחיל מרדד ויוצא, לא היה המקטיר מקטיר עד שהממונה אומר לו הקטר. אם היה כהן גדול, הממונה אומר אישי כהן גדול הקטר. פרשו העם, והקטיר והשתחווה ויצא. Ça y est, on y arrive. Depuis le temps qu'on prépare la ktoret, eh bien on va enfin la brûler dans cette Mishnah. Comment ça se passait pour la brûler? Je vous rappelle, il y avait bon, deux paires de Kohanim. Deux Kohanim qui s'étaient occupés de vider les cendres. Ça, on a fini avec eux. Et à part ça, maintenant, deux Kohanim qui entraient pour faire brûler la Torah. On va prendre qu'il y avait un troisième dans quelques secondes. On avait pour le moment, on a parlé de deux Kohanim qui ont été désignés pour la Torah. Un qui entre avec la Torah dans les mains, et l'autre qui entre avec une pelle pleine de braise pour la poser sur le misbéach, et l'autre va lui mettre les... va étaler ensuite l'encens sur les braises. D'accord? Maintenant, pour rappel, le Kohen qui entre avec la Torah, il y avait deux ustensiles. Il y avait le kaf et le bazar. Le bazar, le kaf, c'était un grand ustensile, comme ça la Mishnah nous le disait. Un grand ustensile qui faisait l'équivalent de 2,5 caves. Et il y avait dedans le bazar, c'était le petit ustensile où il y avait l'actoret lui-même. Ouais, c'est dans Perikhe, Mishnah Dalet. J'insiste parce que j'ai déjà fait un premier cours, mais j'ai inversé les deux. Le bazar et le kaf. Le kaf, parce que le kaf en hébreu moderne, le kaf c'est une cuillère, et bazar, je ne sais pas ce que c'est, mais je me suis dit que la petite cuillère c'est le petit. Ben non, c'est pas vrai. Le kaf c'est le grand. D'accord? C'est le grand qui faisait 2,5 caves, 3 caves, c'est un tarcave. Et donc ça c'était le kaf, qui était plus grand, et il y avait dedans le petit bazar, la cuillère où il y avait dedans la quantité d'encens. Je vous avais dit qu'il allait chercher la quantité de l'encens qui faisait un mané. Je ne sais pas c'est quoi cette mesure en volume. Je n'ai pas cherché quand j'étais au Beth Midrash. À la maison, avec les livres que j'ai, je n'ai pas vu, j'ai pas réussi à voir c'est combien, quelle quantité de mané. Mais dans notre Mishnah, on va voir qu'il y avait quand même une quantité suffisante pour remplir les deux poignées. Pas comme à Yom Kippour, mais quand même, il y avait de quoi remplir quand même, de quoi utiliser les deux mains. D'accord? Maintenant, je reviens. On a donc deux ustensiles pour transporter l'actorite. Le bazar qui se trouve dans le kaf. Maintenant, Cohen, il va avoir besoin de ses deux mains pour prendre la ktorette et l'étaler sur le misbéach. Du coup, qu'est-ce qu'il va faire avec les ustensiles? Vous allez me dire, il peut les poser par terre. Ils n'ont pas pensé à cette solution. De toute façon, il y a un autre problème, comme ce qu'on va voir tout de suite dans la Mishnah. En réalité, à cause de ça, il avait besoin de venir avec un autre habit. On n'en a pas parlé jusqu'à maintenant parce que ce n'était pas un rôle tellement important. C'était un truc très technique. Donc, il entrait pour un petit peu mettre la main à la pâte et aider les autres à tenir les ustensiles. Et on peut commencer maintenant le Mishnah. Pardon. Mishé Zacha Baktoret, celui qui a été désigné pour faire brûler la Ktoret. Ayanotel et Abazach Mito Hakaf. Il sortait le bazar qui était dans le kaf. Ouais, il était entré avec le kaf et il y avait dedans le bazar. Maintenant, ça y est, il va sortir le bazar, avec la main droite, j'imagine. Il va retirer le kaf. Venotno le Oavo Olikovo. Il le donne à son ami ou à son proche qui est rentré avec lui. Et la Mishnah m'enseigne, tu sais, vous rappelez pourquoi il fallait nécessairement ces deux ustensiles? Parce que le bazar, il était rempli de ktoret, et puis en bougeant, ça pouvait facilement se renverser. Pour ne pas que ça tombe par terre, ça tombait dans un ustensile qu'il fallait récupérer ensuite et l'utiliser. Et justement, c'est ce que la Mishnah m'enseigne maintenant. Nitpazer mimenu letocho. S'il y a eu de l'encens qui s'est un petit peu renversé à l'extérieur, eh bien. Notnolo Bechofnav, le Kohen, l'ami qui est venu pour récupérer les ustensiles, il va lui s'occuper de récupérer cet encens pour les lui remettre dans ses Chofnav. Chofnav, c'est dans ses deux mains. Ok. On continue maintenant, la Mishnah m'enseigne. Umelamdi moto, eve zahir, shema tatril lefanecha, shelo tikave. On lui a enseigné, il y avait un Kohen qui était responsable pour lui dire. Pour lui enseigner, pour l'instruire, en lui disant « Heve Zahir, fais attention, Shema Tatril Lefanecha, ne commence pas avec ce qui est devant toi,
Shema tikave, de peur que tu vas te brûler. J'explique très succinctement. C'était assez compliqué à comprendre, les mots n'étaient pas assez clairs. Après, peut-être que je vous expliquerai un petit peu la problématique des mots qu'il y avait, tel que le Barthélemy a expliqué, en fait, est-ce que le Ravad l'explique est beaucoup plus clair. Concrètement, d'abord, je vous fais une petite mise en scène. Voilà, j'ai ici, mon Mizbeach Hazav. Le Kohen, il va prendre l'acteur dans les mains. Il y a l'autre Kohen qui a l'appel. Il va d'abord mettre les cendres, il va les étaler. Les braises, il va d'abord les étaler. L'autre Kohen, son but, lui, c'est de prendre cet encens, et de la mettre en fine couche sur toutes les cendres, pas en fine couche, en couche un petit peu épaisse, sur les cendres, de manière à ce que d'un coup, quand tout va s'enflammer, ben, le feu il va monter tout d'un coup. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il le jette petit peu par petit peu, parce que sinon, ça va faire plein de fumée de partout, on ne veut pas que ce soit comme ça. On veut que tu vas recouvrir bien les cendres, avec les braises avec ton encens, de manière à ce que dans un premier temps, il ne va pas y avoir de fumée qui va se dégager, parce que pour le moment, tout est couvert, donc ça commence à brûler par en dessous, mais c'est couvert par le dessus, et puis d'un coup, pchut, tout commence à se lever. Pour pouvoir faire ce petit... Pour pouvoir bien étaler la tourette, alors, il va falloir qu'il la mette avec ses mains et qu'il l'étale ensuite. J'ai pas vu s'il utilisait un ustensile pour l'étaler, apparemment il le faisait avec les mains, j'ai pas réussi à comprendre, j'ai pas non plus, ça n'a pas expliqué. Maintenant, problème technique, c'est que si toutefois il va commencer à mettre d'abord la torette devant lui, et qu'après il va commencer à l'éloigner, alors dès que ça va commencer à tomber sur ce qui est devant lui, ça va lui dégager de la chaleur. Donc en fait, on le prévient, on lui dit, tu sais, tu commences à le mettre loin de toi, et comme ça tu reviens vers toi, comme ça tu vas pas te brûler les bras. Logique. Pourquoi est-ce qu'il fallait quelqu'un de spécial qui lui dise à ce moment-là? C'est précisé, vous rappelez que celui qui a été désigné pour l'actorette, c'est un nouveau Kohen. On fait en sorte que tout le monde y passe dans l'actorette, parce que c'était une zgoula pour devenir riche. Donc du coup, on voulait que tout le monde ait le mérite de le faire. Donc du coup, on n'avait aucun Kohen expérimenté qui savait faire l'actorette. Chaque jour, c'est un nouveau Kohen, un bleu. Il ne savait pas le faire tout seul, donc du coup, il fallait à chaque fois lui bien l'instruire et veiller à ce qu'il fasse bien les choses. Ok, voilà ce qui ressort de la Gemara. Déduire ça dans les mots, c'est un peu plus compliqué. Je vais vous lire directement la Mishnah selon le Ravad, c'est pas comme selon le Barthénois qui nous pose quelques petits problèmes techniques. La Mishnah me dit, on l'enseigne, on l'instruit, et Vezaïr, fais attention, Shematatril le Fanecha, ne commence pas par devant toi, chez l'Otikave, pour que tu ne te brûles pas. C'est à partir de là où ça commence. Itril Meraded Veyotse, littéralement, il commence à la planir et à sortir. Phrase incompréhensible telle que le Barthénois l'explique, le Tosafot Yom Tov l'envahit de questions, ils ont compris que ça parlait de la Torette. Or, lisez directement la dernière phrase de la phrase, de la Mishnah, il y a marqué Victir, Mishnah Abayatza. Il l'a fait brûler, il se prosterne et il sort. Donc ne me dis pas qu'il est en train de l'étaler et qu'il sort. C'est qui sort? Suite à ça, le Rachash, il est parti expliquer une autre explication, que non, c'est le responsable qui était là, que lui sort. Mais ça marche pas non plus. En fait, le super pchat que j'ai trouvé, c'est le Tiferet Israël, et qui se trouve en fait dans le Ravad, qui explique qu'on parle de quoi en fait. C'est qui Hitril Meraded Veyotse. Hitril Meraded Veyotse, c'est qu'il commence à faire une couche, à l'étaler en couche, et à sortir, c'est qui? C'est celui qui tient la pelle avec les braises. Alors, ça y est, maintenant, on les a prévenus, ils sont tous les deux là. Toi, avec ta pelle de braise, tu la mets, tu l'étales bien, et tu sors. C'est de lui qu'on parle ici. Ok? Si vous étudiez un petit peu tous les mefarshim qu'il y a sur la page, vous allez voir combien ça résout des questions. Il y en a de partout. Chacun s'est pris la tête à comprendre ce qu'il avait écrit. Ça posait d'autres problèmes. On va regarder le Barthénois, il nous dit Clomar, Miad, chéri ded actoret al gabé gechalim yatsa. Et le Barthénois, il va s'expliquer dans cette phrase ici qu'on parle de l'actorette elle-même. Bon, donc vous avez compris. C'était pas l'actorette, c'était les braises. Et comme ça, le pchat, il est beaucoup plus facile. Ensuite, la Mishnah m'enseigne. Loaya maktir, achemune omerlo acter. La Mishnah m'enseigne, celui qui faisait l'actorette ne commençait pas à faire brûler l'actorette « Adcha memune omer lo acter » jusqu'à ce que le responsable sur l'actorette lui dise « Vas-y, acter !» Maintenant, il y a un problème technique. Il n'est pas entré à l'intérieur du Echal. Il y a quand même une petite distance. Deux éventualités. Il rapporte le Tiferet Israël de nouveau. C'est d'expliquer soit qu'il est de dehors et qu'il crie « Ça y est, acter !»
Ou bien, il y a encore une autre solution. Avant de rentrer, il lui dit, ça y est, on fait un petit comeback, on revient en arrière. Avant qu'il entre dans les rallonges, on lui dit, vas-y, commence maintenant à faire la Torah. Ok? Donc là, il y a un maktir. Hacha Memouni Omerlo Hakter, jusqu'à ce que le responsable lui dise, vas-y, commence à faire brûler. Imaya Kohen Gadol, si c'était un Kohen Gadol qui avait aujourd'hui qui avait envie de faire la Ktoret, on apprendra dans la prochaine Mishnah qu'il avait des droits de faire ce qu'il voulait, le Kohen Gadol, quand il voulait. Eh bien, Hamemouné Omer, le responsable, lui disait, on ne disait pas, vas-y, acteur, on lui disait, Ishi Kohen Gadol, Messire Kohen Gadol, acteur, allez-y, faites brûler la Ktoret, ok? La Mishnah enseigne maintenant, par Shua'am, tout le monde se retirait, Vektir, et il faisait brûler la Ktoret, Veishtachava Veyatsa, il se prosternait et il ressortait. De quoi on parle exactement? Il y a un pasouk, Vechol Adam Loye Ba'oel Bevo, Be'oel Moed Bevo Lechaper Bakodesh. Il y a un pasouk qui nous dit comme ça dans Acharemot, c'est sur la Avodah de Yom Kippour, mais c'est relatif à toutes les Avodot qu'on fait dans le Echal. Dès qu'on fait une Avodah dans le Echal, si je suis entré travailler dans le Echal, personne n'est dans le Echal. Chacun qui rentre dans le Echal, il s'isole avec Hachem. Pas forcément que dans le Kodesh à Kodesh, mais même dans le Echal. De ce fait, pour la Ktoret, ou pour tous les sangs à asperger, ou les huiles à asperger sur la Kaporet, par exemple, il y a pour les corbanot du Metzora et tout ça, eh bien, quand quelqu'un il entre pour faire une avoda à l'intérieur du Echal, tout le monde doit ressortir. En l'occurrence, la Ktoret, c'est aussi une avoda qu'on fait dans le Echal. Donc, avant qu'il commence à mettre sur l'encens, tout le monde ressort. C'est ce que la Mishnah m'enseigne, Perchouaam, tout le monde sortait. Le peuple sortait, c'est-à-dire les Kohanim qui étaient avec lui, l'autre qui tenait la pelle, l'autre qui tenait les ustensiles, le bazar et le kaf, et bien tout le monde ressortait, et seulement après, il commençait à étaler la Ktoret. Et alors maintenant, selon le Ravad, comme on explique, Vektir, il commençait enfin à brûler la Ktoret, Vishtachava Veyatsa, et après il se prosternait et il ressortait. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la Sarah Koto, c'est là.